Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 19 mai 2024. Il est 17h et j'ouvre la 20e vidéoconférence de la série des Galactiques 2024, dont le thème ce soir est Les incarnations des émissaires stellaires, les intromis stellaires, crawl-ins, les colocataires corporels, walk-ins, et les expéditionnaires extraterrestres, walk-downs. Je rappelle que toutes les informations que je communique sont strictement et exclusivement de sources extraterrestres, transmises noir sur blanc, à l'écrit et en audio, notamment avec mon principal contact extraterrestre Zen. Depuis le début de l'année 2016, voilà donc 8 ans. La présentation d'aujourd'hui est un extrait de plusieurs conversations que j'ai eues en février 2018. Vous pouvez retrouver une partie des informations que je vais présenter dans mon livre « Premier contact », articles 27, 28 et 29. Comme ils le font, les extraterrestres étudient les différentes catégories d'humains sur Terre, protègent dans leur biotope. Ils nous analysent dans les moindres détails, dans des domaines et situations variés, pour mieux nous connaître et partager leurs concepts, pour nous aider à développer une société holistique et holographique. Ils le font aussi pour nous faire prendre conscience que nous ne sommes absolument pas seuls dans l'univers, mais que nous évoluons en compagnie de très nombreuses races extraterrestres, parmi lesquelles les lignées qui ressemblent aux humains comme deux gouttes d'eau. De manière générale, les terriens ne sont pas considérés comme formant une race à part, mais comme une combinaison de nombreuses autres races d'hominidés. En s'alignant sur les chiffres de la Société statisticienne des Étortans, les grands gris à nez plat, originaire de la constellation du Chasseur, Alpha Orionis, étoile Bételgeuse, planète Étor, ils affirment que le nombre d'humains sur Terre est d'environ la moitié de ce qui est annoncé. Ces 50% ne comprennent pas les extraterrestres originaires d'autres planètes qui ont atterri sur Terre et y vivent pour des missions temporaires, permanentes, ou des réfugiés qui ont fui le régime sur leur planète et se sont installés de manière définitive sur Terre. 10% représentent, premièrement, des natifs, des Earth Seeds, des Star Seeds, des émissaires stellaires venus d'autres planètes, des intromis stellaires, des colocataires corporels, et en seconde partie, par des hybrides ainsi que des personnes programmées et dirigées par des intelligences artificielles, des personnes humaines bioniques, des clones ou des Borg, humanoïdes, synthétiques. Nous verrons cette seconde partie dans la présentation de dimanche prochain, 26 mai. Quels sont les différents types d'humains sur Terre? Il y a ceux que vous connaissez, les natifs. Ce sont des terriens de type Homo sapiens qui, selon mes contacts, est un composite de 22 espèces d'hominidés qui se sont reproduites par interfécondation et hybridation entre les proto-humains, les espèces interstellaires installées sur Terre et les humains archaïques et modernes, dont font partie les Denisoviens et les Néandertaliens. L'espèce humaine s'est développée de deux manières, de manière naturelle et de manière artificielle. De manière naturelle, des proto-humains ou des espèces d'hominidés ont d'abord été implantés sur Terre par les Dies Lientiplex de la lignée arthurienne et les étortants de la lignée draconienne. Ces espèces ont évolué de manière naturelle
par transition douce grâce à l'interfécondation entre les proto-humains et de multiples hominidés avant les Denisoviens et les Néandertaliens, et in fine entre des femmes néandertaliennes et des sapiens modernes présents sur les mêmes territoires à la même époque. Et de manière artificielle, en utilisant la génétique qui aboutit à la race adamique. J'ai expliqué cette partie dans plusieurs visioconférences précédentes. Les Néandertaliens et les Denisoviens se seraient incorporés par métissage avec les sapiens. Cette hypothèse est soutenue par l'évidence de changements dans la morphologie des Néandertaliens tardifs, démontrant la continuité de leurs caractéristiques anatomiques ou comportementales. Les Homo sapiens se sont développés en parallèle avec des ancêtres extraterrestres lointains, originaires de multiples systèmes solaires comme la constellation de la Lyre, M56, M57, Kepler-62, la constellation du Taureau, M45, la constellation du Triangle ou la constellation australe du Réticule. Les Lyriens, qui ressemblent à des terriens, mais plus grands, plus musclés et qui ont une plus longue espérance de vie, font partie de nos ancêtres. Ils se développèrent en même temps que les Néandertaliens et les Denisoviens et les peuples anciens qui les considéraient comme des dieux. Les Lyriens, tout comme les Néandertaliens et les Denisoviens, vivaient principalement sous terre pour se protéger. Ils inscrivirent leurs origines dans les abris qu'ils occupaient ainsi que leur système solaire et planète, quand et comment ils étaient arrivés ici sur Terre. Ce point explique le niveau de connaissance astronomique que certains peuples que nous pensons primitifs ont laissé un peu partout dans le monde, au cœur de grottes couvertes d'art pariétal ou de constructions sculptées directement dans le massif rocheux, par extraction, avec une technologie que les peuples primitifs ne possédaient absolument pas. Les habitats étaient séparés, certains lieux appartenaient aux Néandertaliens ou aux Denisoviens et d'autres aux Lyriens. Qu'est-ce qu'une ou un crawling ? To crawl en anglais veut dire ramper, se faufiler. Le développement et la maturation poussent les âmes, entre guillemets, des personnes à intégrer la matière. Il existe deux manières principales pour une personne de s'incarner sur Terre. À la naissance, crawl in, ou en infiltrant un corps humain existant, walk in. Un crawling est un intromis, c'est-à-dire que l'on introduit un corps dans un autre. C'est une personne qui naît sur Terre de parents biologiques humains. L'intégration se produit 3 semaines après la conception. Au moment d'intégrer la matière, l'âme a l'impression de sauter de l'hyperespace dans un corps physique très dense et ne se souviendra que d'une partie de ses origines extraterrestres. Qu'est-ce que une ou un walk-in ? Dans ce contexte extraterrestre, j'ai traduit le terme anglais « walk-in » par « colocataire », c'est-à-dire qu'il s'agit de personnes qui s'incarnent en utilisant un corps déjà né, déjà formé, et y pénètrent parfois à différents âges, par exemple de 0 à 33 ans. Un crawling utilise le corps de la naissance à 33 ans, puis il le quittera pour retourner dans son corps d'origine sur sa planète. Et de 33 ans au décès, une seconde âme, un autre walk-in, va intégrer ce corps à la suite. Une personne, dans son cheminement spirituel, voudra expérimenter la naissance et pas la mort,
ou inversement, une autre voudra expérimenter la mort et pas la naissance. Puis une troisième âme ne voudra ni expérimenter la naissance ni la mort, mais voudra vivre un certain nombre d'années sur Terre pour y accomplir une mission entre ces deux extrêmes. Ce corps sera donc partagé successivement par trois personnes. Mais quelquefois, plusieurs âmes occupent le même corps simultanément. Elles sont souvent synchronisées et œuvrent ensemble pour répondre aux différents aspects de leur mission. Il est dit que les âmes entrent ou font l'échange pendant une période de problèmes personnels intenses de la part de l'âme qui s'en va ou à cause d'un accident ou d'un traumatisme. L'individu qui entre dans le corps conserve les souvenirs de la personnalité d'origine, mais sa personnalité et ses capacités changent considérablement et s'orientent vers l'aide à l'humanité. S'incarner dans un corps pleinement développé permet à l'âme la plus avancée de mener à bien sa mission sans avoir à traverser les deux décennies de maturation dont les humains ont besoin pour atteindre l'âge adulte. Qu'est-ce qu'un walk-down ? Walk-down en anglais veut dire descendre, atterrir. Un walk-down est une femme ou un homme extraterrestre qui atterrit sur Terre en vaisseau spatial, en descend, met en place une action ou des missions temporaires spécifiques qui peuvent durer de quelques heures à quelques années. Un équipage dans une navette ou un pilote dans son vaisseau spatial déposera l'extraterrestre ou le groupe d'extraterrestres sur Terre, souvent dans des endroits isolés, puis ce vaisseau repartira. Beaucoup d'espèces interstellaires ne peuvent pas le faire car toutes les races ne possèdent pas les critères phénotypiques ou morphologiques de type humanoïde, bipède, avec un corps, deux bras, deux jambes et une tête, et même si c'est le cas, il peut leur être difficile de respirer l'oxygène, boire l'eau sur Terre, ingérer des aliments contenant des toxines qui pourraient les rendre malades. Ils doivent également pouvoir s'exprimer dans les langues des pays où ils atterrissent et les avoir apprises ou connaître l'anglais oral et écrit, et enfin, leur manière de penser ou de s'exprimer sont si différentes que même s'ils ressemblent à des terriens, ils peuvent encore surprendre leurs interlocuteurs et être repérés. Dans ce cas, les extraterrestres préfèrent effectuer des allers-retours, ils déposent la personne habilitée le matin et viennent la récupérer le soir depuis des planques ou des habitations individuelles réservés aux groupes d'intervention. Ils utilisent aussi quelquefois des vaisseaux stationnés dans des endroits isolés, en mode furtif et invisible des populations terrestres. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je souhaite mentionner qu'il n'y aura pas de partie numéro 2 à cette vidéo, car les questions-réponses n'ont pas été enregistrées pour une question de problème technique. Voilà, je vous revois dimanche prochain, au même endroit, à la même heure, pour une autre aventure extraterrestre. À très bientôt.